Bonsoir Jean-Michel, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir tout le monde. Vous avez fait vos courses? Oui, bien sûr. Regardez, installez votre petit matériel. Voilà, des crêpes en veux-tu, en voilà. Les crêpes Jean-Michel, déjà vous en avez mangé cette semaine? Un paquet, oui. Un paquet? Bien sûr, je mange par quatre. Parce que c'est bon pour la santé? C'est un des meilleurs produits de la pâtisserie française, parce que c'est classé dans la pâtisserie française. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un mélange de farine et d'eau à la base. Alors, on peut utiliser toutes les farines. Là, j'ai pris de la farine de sarrasin. J'aurais pu prendre de la farine de soja. Dans les pays asiatiques, on utilise farine de riz, farine de soja. On mélange avec de l'eau et on fait une crêpe qui n'est pas forcément sucrée, mais qui est une crêpe à la façon asiatique. Nous, en France, on a pris l'habitude de les mélanger classiquement avec des œufs, avec du lait, avec du beurre, avec de la vanille. Pour certains, même avec de la bière, d'autres avec des alcools. Et en fait, c'est un produit extrêmement sain. D'abord, parce que c'est un produit qui est léger. C'est-à-dire que là, c'est une crêpe épaisse que j'ai achetée en supermarché. Oui. Ça, c'est des crêpes fraîches. Mais en fait, chaque crêpe pèse maximum entre 30 et 60 grammes. Et c'est l'équivalent, grosso modo, d'un pain légèrement sucré. Quand on met du sucre légèrement alcoolisé, si on met de l'alcool. Il faut rappeler que le mot crêpe ne signifie rien en lui-même. C'est la façon de le cuire qui donne la crêpe. C'est-à-dire qu'on peut mettre n'importe quelle farine, n'importe quel type d'eau ou d'ingrédients. C'est le fait de la cuire en couches très très minces qui donne le nom de crêpe. Vous en avez envie là, hein? Ah ben non, mais je voyais des images. Je me demandais ce que c'était. Alors qu'est-ce que vous avez apporté? Parce qu'il y a différentes crêpes. Alors, bon, les crêpes qu'on connaît les plus classiques, c'est les crêpes sucrées. Donc, c'est de la farine de froment en général, c'est-à-dire de la farine blanche. Et ça donne cet aspect un peu jauné, parce qu'il y a souvent un peu d'œuf, un peu de sucre à l'intérieur. Et puis, les crêpes bretonnes sont faites en général avec du sarrasin. Alors, c'est des galettes, donc c'est de la farine de sarrasin mélangée avec de l'eau. Et après, on les garnit au choix avec du sucre ou avec des produits salés. Mais ça reste un produit même quasiment si on de met régime. Œuf, jambon, fromage, une complète, oui. Ça reste raisonnable. Alors, le calcul, c'est qu'en fait, quand vous regardez une crêpe et que vous avez mis un œuf, du fromage et une tranche de charcuterie maigre, vous arrivez à 400-450 calories, ce qui reste quand même un produit quasiment dans les zones diététiques. Ah oui? Et c'est ça qui fait dans de la peine. Dans les zones diététiques. Oui, dans les zones diététiques. Les zones souples un peu. On pourrait... Non, pas du tout. On pourrait la mettre. Un repas de régime fait avec une crêpe complète et une crêpe sucrée. Je vois une connaisseuse. Les deux crêpes, c'est bon. Mais bien sûr, ça marche très très bien. Et pour vous montrer Michel que les crêpes... Michel Hébert n'a pas dû manger beaucoup de crêpes. Il vaut mieux manger des crêpes qu'autre chose. Et pour vous montrer, il y a d'autres produits qu'on peut trouver. Ça s'appelle les crumpets. C'est une autre façon de faire les crêpes, un peu comme les blinis, où là, on va mettre du levain et on va faire gonfler le produit. Mais ça, c'est un des produits les plus diététiques dans les produits originaux. Ah non, voilà. Pardon, excusez-moi, mais... On grille ça, on met du beurre et de la confiture. C'est 80 calories environ chaque pièce. Et c'est vraiment intéressant, mais on ne les trouve pas partout. Il vaut mieux ça que du pain blanc, de la baguette, par exemple? Quasiment, oui. Ah, quasiment, oui ou non? J'ai besoin d'une réponse, c'est urgent. C'est mieux que la baguette, à la limite, je dirais. Ah ouais? Voilà, c'est mieux que la baguette. Mais après, j'avais envie, Patrick, comme à l'accoutumée... Patrick est sceptique. Non, mais Patrick est sceptique dès que je parle de diététique tout court. Pas donc, du tout, voilà. J'écoute. C'est un de vos meilleurs élèves. Et après... Et après, je me suis dit, bon, j'adore m'amuser avec les produits des supermarchés, donc j'ai été voir les crêpes, vous savez, four au chocolat. Pour les enfants, c'est... Mamans. Non, mais je vais vous montrer clairement la différence, c'est-à-dire je joue à cette décomposition, voilà. Ouais. Voilà la crêpe qui est vendue pour les enfants, vous la voyez, elle est mince comme un papier à cigarette, voilà, une crêpe un peu épaisse, certes, mais celle-là est mince. J'ai regardé la composition des trois produits et j'ai pris un produit de marque, un produit très bas de gamme et un produit intermédiaire. En fait, voilà, merci de l'avoir fait pour moi. La crêpe est toujours la même, elle est relativement bien composée. C'est la partie chocolat où ça dérape complètement parce que c'est pas vraiment du chocolat, c'est une pâte de chocolat qui est faite avec du sucre, de la graisse, du lait. Et de temps en temps, on met lait frais en évidence sur la partie crêpe, mais dans la partie chocolat, il n'y a pas ça. Alors, ça dépanne les mamans. Mais quelque part, je trouve que vraiment, c'est tellement facile d'en faire une trentaine et de les resservir sur trois jours qu'on ne devrait pas s'en priver. N'est-ce pas, Babette? Oui, Non, mais arrêtez de culpabiliser. Moi, ils ont eu ça très longtemps. Ça ne fait pas de moi une feignasse non plus. Ils aiment ça. Mais ils aiment ça, mais ce n'est pas vraiment... Ça pèse très peu. Regardez, c'est assez léger. On compte en moyenne 150 calories pour un petit machin comme ça. Mais regardez comme c'est sympathique. Je les ai achetés dans un supermarché qui les faisait sur le moment. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai trouvé que c'était un bouleversement de tendance, d'ailleurs, en ce moment. C'est-à-dire que le préparer... Attention aux mots, un bouleversement de tendance. Mais oui. Parce qu'on a été une génération élevée dans une génération où on mangeait des plats préparés, des choses toutes faites depuis la petite crêpe Findus au fourré aux champignons jusqu'au truc très élaboré d'aujourd'hui. Et là, j'ai l'impression qu'on revient à des choses qui sont pas faites maison, mais qui font faites sur le moment, qui restaurent le goût de l'artisanat. Et c'est plutôt